Et yo tout le monde, c'est Inferno FC, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être ma série, comme d'habitude et tous les jours, donc Road to Messi. J'espère qu'elle vous plaît, d'ailleurs si elle vous plaît, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Donc bah, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de bénéf aujourd'hui, mais c'est parce que je suis sorti. Donc là vous pouvez voir le bénéf de la série, enfin d'avant qui s'affiche. Donc pour vous dire que j'ai pas fait beaucoup de bénéf aujourd'hui, je suis désolé, mais en même temps, enfin, c'est en pleine semaine, et en pleine semaine je sors à mort, j'ai été faire les courses avec ma mère, le sport, enfin bref, limite j'étais là que le matin très tôt et la soirée. Donc j'ai pas fait beaucoup de bénéf, vous verrez à la fin, c'est pas énorme du tout. Mais bon, c'est pas mal quand même pour une journée où j'étais pas chez moi. Ça prouve que vous n'êtes pas obligé de rester comme un no live devant votre écran pour faire des bénéfs. Mais si vous restez devant votre écran comme un no live, bah vous en ferez beaucoup plus. Donc voilà, vous choisissez ce que vous voulez faire. Ça dépend des vacances. Moi, je préfère sortir un peu quand même, aller voir les potes et aller à la salle pour faire gonfler ses pecs. Donc bah voilà, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien les gens. Moi, ça va super. Bah là, comme d'hab, pour la première séquence, je vous montre comment j'achète mes joueurs. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de venir sur Twitter, il y a un gars qui est venu d'ailleurs tout à l'heure sur Twitter, je sais plus, j'ai oublié son prénom. Enfin bref, il m'a posé quelques questions, c'était assez sympa. Donc bah voilà, n'oubliez pas de venir, je réponds, il n'y a pas de problème. Faut juste me parler en premier, je vous répondrai. Je suis pas le mec qui fait genre je parle à personne, je suis trop connu ou ce genre de truc, c'est pas du tout mon style, j'essaierai au maximum de répondre aux abonnés. Donc bah voilà, il n'y a pas de souci, venez me parler. J'ai vu aussi que mes vidéos faisaient de plus en plus de vues, que ma chaîne commençait à redémarrer. Ça me fait vraiment plaisir les gars, si jamais vous voulez partager la vidéo à des gens, à vos amis, pour qu'ils se fassent des crédits, faites-le, il n'y a pas de souci, partagez, ça me fait plaisir. Donc bah voilà, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, ça va pas être génial niveau crédit. J'ai fait ce que j'ai pu franchement. Là la soirée, j'ai essayé de retarder un peu les. J'ai essayé de rajouter 1 heure d'achat-revente pour essayer de faire le max que je pouvais faire, mais je peux pas aller plus haut que bah, vous verrez à la fin, c'est pas assez énorme je trouve. Donc voilà, si la vidéo vous plaît les gars, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour les joueurs d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs sympas. D'ailleurs je vais lancer une série sur ma chaîne qui va arriver dans pas longtemps. Ça va être une série avec les légendes, pas légendes, je sais pas trop comment l'appeler. Je verrai, mais en gros ça va être une équipe vraiment sympa qui me fait kiffer. C'est des joueurs que j'adore, que voilà, que je respecterai. Mais franchement, que je respecterai toujours, et franchement, elle me fait grave plaisir cette équipe. Donc, je vous la montrerai bientôt d'ailleurs. Donc voilà, j'ai toujours une vidéo en attente aussi qui s'appelle Pogba le Marabout. J'attends de la sortir, je sais pas trop quand je vais la sortir. Sûrement dès que j'atteins les 1 500 000 crédits, je la sortirai. Ou peut-être un peu avant, je sais pas du tout, je verrai. Donc voilà, pour vous dire aussi que les chaînes communautaires m'ont toujours pas répondu au jour où je fais la vidéo. Il y a toujours un jour de décalage, hein, c'est pas le jour même, c'est toujours un jour de décalage. Donc voilà, là hop, je vais vous montrer un peu, j'ai fait 4 ventes. Bon, il faut savoir que je change tout le temps. D'ailleurs, il m'a posé cette question, combien je faisais de ventes par heure. Je ne sais pas, environ 9-10. Mais comme je change directement les joueurs dès qu'ils se vendent, j'arrive pas vraiment à compter. Donc voilà, faut pas se poser de questions. Dès qu'un joueur est vendu, hop, vous le changez directement. Et ça partira, ça c'est sûr. Donc voilà, je sais plus trop quoi vous dire. A chaque fois, je vous raconte la même chose. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est pour vous parler un peu de la chaîne en même temps. Je sais pas trop quoi dire. J'espère qu'il y aura un Messi en vente. À l'heure où je vous parle, il n'y a toujours pas de Messi. Si j'en ai vu un tout à l'heure que j'ai essayé d'avoir à 1 070 000, malheureusement, il n'y en avait qu'un seul. Donc en chasseur, il est parti à 1 500 000 direct. J'ai même pas eu le temps de l'acheter vu que j'avais pas assez de toute façon. Dès que j'achète mon Messi, je me fais une team autour, une team monstrueuse. Pour aller démolir du cul online, et je vous fais des vidéos, il n'y a pas de souci. J'espère que vraiment le Messi en vaut le coup, je l'ai jamais essayé, mais j'espère qu'il a de la gueule sur le jeu. Vu les stats, il a l'air pas mal, mais j'espère franchement qu'il va claquer. Et aussi pour Lyon, je vais vous parler un peu de Lyon. En ce moment, c'est vraiment la catastrophe. On a joué contre, je sais plus, je crois que c'était Arsenal en premier. On s'est fait taper 6-0. Voilà, j'ai envie de pleurer. Et on a joué contre, je crois que la dernière équipe, je sais plus c'était quoi. C'était Villarreal ou Séville, je sais plus, un truc comme ça, on s'est fait taper 2-0, enfin bref, c'est la merde. Lyon, je sais pas ce qu'ils foutent, là, ils sont en train de tester des trucs, mais c'est le caca pour l'instant, c'est le caca, hein. Ça pue le caca. Donc bah voilà, j'espère que Lyon va se remettre un peu en route, là, parce que c'est le caca pour l'instant.
Là donc moi je suis en train de remettre des jeux en vente, la vidéo va bientôt se terminer dans pas trop trop longtemps. J'espère que les musiques que je m'en fous vous dérangent pas trop et qu'elles sont plutôt bien. Si jamais vous avez des musiques à proposer aussi, parlez-moi sur Twitter, hop, et je les mettrai, y a pas de souci. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser pour la fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à vous dire, on a fait que 64 bénéfices. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'est pour ça que je vais pas trop le commenter parce qu'il n'est pas super intéressant. C'est pas énorme de bénéfices, vous pouvez regarder jusqu'à la fin, regarder un peu comment je fais. C'était Inferno FC, bye bye.